Les rumeurs du net. Alors, première rumeur. Vous seriez, paraît-il, un maniaque du café. C'est-à-dire que vous n'en consommez que 3 par jour, mais alors il faut vraiment qu'il soit bon. C'est vrai. C'est vrai ? Ouais, c'est vrai. Et j'ai mes barres. Enfin, je considère que malheureusement, en France, on sait faire plein de choses, mais le café, on ne sait pas le faire. C'est vrai. Ouais. Et souvent, moi, j'ai mes barres préférées et j'hésite pas à explorer des nouveaux barres. Je fais toujours au comptoir, hein, comme en Italie. Mmh. Et parfois, on me sert le café comme ça. Et puis, bon, ben, je le regarde et je l'offre à mon voisin, je m'en vais. Parce que juste en regardant, parce que l'histoire d'avoir du café. De la caféine dans le sens, ça je m'en fous. Oui. C'est le goût qui me plaît. Oh, bah, conseil, prenez-en un ici, vous allez voir. Vous allez avoir les dents qui vont se déchausser, c'est très sympa. Vous êtes le voisin. Oui, je sais pas. Le guide des meilleurs dingues de Paris ou de France. Vous êtes très sensible aux parfums. D'ailleurs, pendant longtemps, vous collectionniez des échantillons de parfums. Les parfums de femmes, bien sûr, mais aussi. Surtout. Un parfum ? Enfin, homme et femme. Homme et femme. Mmh. Très bien. Nous, on n'est pas regardants. Mais vous êtes sensible aussi à l'odeur du papier d'Arménie. Ouais. Vous vous embrouillez dans votre loge. La peinture fraîche qui vous rappelle votre enfance. Vous aimez les parfums ? J'adore. Ouais. Je suis très sensible aux odeurs. Ouais. J'ai un nez, un groin. Quoi. Ah oui. Vous reniflez les gens quand vous les rencontrez ? Exactement. Ah oui ? J'ai un truc comme ça. Ouais. Enfin, pas l'odeur des gens, mais je suis assez instinctif. Quoi. Donc, vous les épreuillez. Je crois que vous êtes assez parfum. Il y a des gens. Non, mais c'est ce qu'on appelle. Bien sûr. Lui, quand on dit. Non, mais c'est vrai, quand on dit de quelqu'un, lui, je le sens pas. C'est exact. Ouais, ça, ouais, là, je comprends tout à fait cette phrase. Ouais, mais on peut se tromper, faire attention. Oui. Quand on va trop vite. Il ne faut pas se fier à la première odeur. Et est-ce que vous aimez aussi les surtout pas l'apparence. Du goût pour les mauvaises odeurs. Je m'explique. Juliette, moi, quand je suis dans une station essence, je vis des grands moments. L'odeur de la peinture. Mon papa, par exemple, il refaisait tout le temps l'appart, donc il y avait tout le temps une odeur de peinture, puis il était peintre en bâtiment. Cette odeur, je l'adore. Alors, elle est pas bonne, cette odeur. Elle est toxique, oui. Elle est toxique. Mais vous êtes tous des toxicos, quoi, en fait, si je comprends bien. Oui, tout à fait. Et vous shootez à l'odeur de l'essence que vous mettez dans votre réservoir. Non, les rares fois, j'ai pas le permis, j'ai pas de voiture. Les rares fois où j'arrive à être dans une station essence. C'est la seule femme qui va dans une station essence. Et qui sent l'odeur. Renifler l'odeur de l'essence. Sans avoir. Et même en plein hiver, j'ouvre les fenêtres en grand, je passe ma tête dehors et j'essaie d'avoir l'air dégagé et je respire comme une dingue. Et ça vous coûte combien quand vous parfumez à la fin? Il vous faut un prix. C'est cher maintenant. C'est cher, mais ça fait cher le lit de parfum. Ouais. Faut pas fumer avec. Hein. Alors, sous la douche, il paraît que vous sifflez Champs-Élysées de Joe Dassin. Non, ça c'est-à-dire que sous la douche, souvent je chante des chansons. Alors ça, Champs-Élysées, c'est une très bonne chanson, mais ça peut dégénérer. Je peux chanter des trucs complètement pourris, quoi. Genre quoi? Genre. Je veux dire, ça peut être. Allez, un truc bien naze. Un truc bien dégénéré. Pumpy Booster. Ah, la queue leu-leu, quoi. Ah oui. Fallait pas le dire, Calogero. Fallait pas le dire. Faut pas répondre à toutes les questions. Voilà, vraiment, c'est. Et voilà. Quand vous dites des trucs pourris, on les a tous suivis. Et puis, à la queue leu-leu, faut avoir une grande douche. Ça me réussit. Ah oui, il y a du monde chez vous sous la douche, dites donc. Bon, hyperactif. Vous ennuyez en vacances et vous avez besoin de faire du sport. Vous faites non, toutes je m'ennuie sortes pas, de choses. Je suis avec mes copains, c'est bien. Vous faites des abdos tout le temps, vous faites du roller, de la trottinette, vous courez. Non, je fais pas des abdos tout le temps, c'est ridicule. Je peux pas mettre à faire des abdos. Non. J'aime bien. J'aime pas le farniente, voilà. Oui. J'aime bien être actif, mais j'adore être avec mes amis, préparer à manger, ça j'adore. Ah oui, alors ça toute la journée. Vous adorez cuisiner. Ouais. Et en bon sicilien, il paraît que vous organisez des pasta parties. Oui. Comme Lino Ventura, elle faisait ça aussi. Oui, exactement. Spaghetti. D'ailleurs, si vous voulez avoir des informations sur Lino Ventura, ce soir, chez Thomas Hugues et sa camarade, on parlera de Lino Ventura. Ah bon, absolument. Et oui. Les aspects inattendus de la vie de Lino Ventura, c'est à 20h sur Thomas Hugues et Laetitia Nallet. J'ai d'autres humeurs. Quand vous entendez la voix de Little Richard, vous avez envie de vous lever et de chanter. Ah, elle me rend dingue, sa voix. Ready, set, go, man, go. Ça se vérifie. Eh oui. Mais plus qu'à la queue leu-leu ou... Ah non, mais elle me rend dingue. C'est les deux. Dernière rumeur, votre angoisse existentielle serait d'être coincé dans un ascenseur avec Scarlett Johansson. N'importe quoi. Mais c'est. Je serais hyper bien coincé avec elle. Je sais. Mais ça serait mauvais, moins bien pour la femme de votre vie. Enfin bon, pour ce que j'en dis.